Et yo les gens, c'est Fragon, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 4. Voilà pour une petite partie en mêlée générale. Je vais vous montrer mon niveau et je vais vite fait vous montrer mes stats et ma meilleure série sur Black Ops 4. Voilà, 2-9 de ratio, 3000 kills pour 1800 morts. Hein, sincèrement, ça fait plaisir. 3700 morts, tués pour 1800 morts. Désolé, je parle ultra vite. J'ai fait une série de 29, un de la nucléaire. Ce qui est bien sur ce Black Ops 4, c'est qu'on peut faire une nucléaire avec l'équipe d'assaut. Alors voilà, je vous conseille vraiment l'équipe d'assaut si vous voulez faire un nucléaire. Avec, si vous voulez faire un nucléaire à 100%, vous prenez appareil Cosmec. Comme sec. Vous avez moins de points, genre au lieu de faire 13 kills, vous en faites 10 et puis ça vous débloque le truc. Allez, c'est parti, on va l'armée générale. On va pas blablater trop longtemps là, parce que. On va jouer avec la SOG 9 mm que j'ai pris avec le point prestige bêta. Comme j'avais joué à la bêta niveau 40, il m'avait donné un point permanent. J'ai acheté celle-là en permanent et là, celle-là. Désolé, vous voyez pas le camouflage, je vais vous le montrer dans la partie. Comme ça, vous verrez le camouflage. Beau camouflage, là. Vous allez le voir. Vous allez. Alors, bientôt en or, parce que je suis pas encore niveau 32. Il me reste 50 kills à faire et je l'ai en or. Bientôt, tous les fusils d'assaut en or. Il me reste juste là, une arme, là, je sais plus, là. La Scarache, ou je sais plus comment elle s'appelle. Pas la rempart 17, mais l'autre avant-dernière fusil d'assaut là. Je l'ai pas encore débloqué. Il me reste 20 tirs dans la tête à faire. 30. Hop, j'utilise On y Crash. va. Crash ou sinon j'utilise Ruine. Allez, c'est parti. Je vous montre vite fait la classe. Puis après, on essaie de faire des petits tirs dans la tête. Si on voici ma classe. Je joue plus au son en mode hardcore. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Ouais, petite information, si vous voulez du double XP tout le temps, sur les canettes Monster Energy, vous pouvez avoir du double XP. Une canette ça coûte 1,50€, vous avez 2 heures de double XP. 1,50€, 1,30€, ça dépend, vous l'achetez même 1€. Vous pouvez avoir double XP pendant 2 heures. Voilà. C'est une boisson ultra. La zone grouille de cible. Régalez-vous. Voici le camouflage, merde. Voici le camouflage. Oh là là, oh oui. Wouh! Oh, comment j'ai évité les balles! Non! On va se concentrer un peu. Hop, le petit tir dans la tête. Bon, je l'ai mis en or celle-là. Hein. J'ai pas. Tous les tirs dans la tête. Elle est magnifique cette arme. C'est niveau 52 pour la débloquer. Je peux vous le dire que. Voilà. Il y a un mec qui arrive, regardez, attention. Merde. Je vais vous montrer juste mon niveau. Je vais pas me prendre la tête à jouer la 9 mm. J'entends tous les pas, regardez. Là, en vrai, il y a un mec, regardez. Il y en a un autre. Hop. Ah, je vois le son avec un bon casque, ça fait du bien. Je vous conseille aussi si vous voulez jouer en hardcore. Hein. Même en MME, vous prenez ça. Regardez, là, il arrive là. Ou là. Attendez. C'est trop facile. Alors, en fait, il joue en hardcore et ça fuck les gens que j'en suis. Je me concentre un peu. Mais où sont-ils? Ah, il y en a un là-bas. Là, il y en a pas très loin. Le mec, tu sais. Non! Ouais, je l'ai pas entendu. Je joue en silence de mort aussi. Hein. Sinon, c'est injouable. Surtout en mode hardcore. Ce qui est bien sur ce jeu, c'est que c'est niveau 18 pour débloquer le mode. Pour débloquer les silences de mort. Comment j'entends trop, c'est pas. Moi je comprends pas pourquoi il joue pas avec Silence de Marine. Alors ça, j'ai pas trop compris comment il a su que j'étais là. Alors que j'ai Silence de mort. Regardez l'arme. Mais ça sert, non. Je pense que vraiment Black Ops 4 ils vont nous régaler au niveau des camouflages. Pour avoir ce camouflage là, j'ai dû faire juste 5 doubles meurtres. Ça sert, non. Après, je sais pas si, comme j'ai l'édition à 100 balles, c'est que. Putain. Drone ennemi déployé. Drone de brouillage ennemi détecté. Putain, vraiment que je joue ma vie, hein. Putain. Où il est?
J'aime pas trop me faire victimiser sur ce jeu, c'est un truc que j'aime pas trop. Ça me vénère en fait. Là, y'en a un qui arrive. Oh, vous voyez mon niveau, hein, sincèrement, je rush comme un porc. Hein, c'est... Oui, c'est sur Nart, quoi. Depuis le temps que je joue à Call of aussi. Hein. C'est logique. Le drone est en place pour capturer l'objectif. Drone de brouillage en attente d'ordre. Mais attends, l'enculé. Drone à 50%. Non, je l'ai pris. Ah putain, je sais. Ah. De brouillage en position. Carburant consommé à 50%. Une machine. Ah, c'est bon Fortnite, hein. Bon, je parle de Fortnite. De j'en pouvais plus. En réalité, je me prends pas la tête à faire beaucoup de kills comme ça, des parties comme ça, parce que ça, c'est ce que je peux faire tout le temps. J'essaie plus de mettre mes armes en arc. En arc, c'est ultra rapide. Je vous conseille aussi le mode hardcore pour faire vos tirs dans la tête. C'est vraiment le plus rapide. Hein. Vous prenez un viseur laser, puis c'est bon. Hein. Il y a un chien, oula. Sur la mort. Le chien qui doit me tuer le plus dans ce putain de jeu. Il est trop dur à tuer le chien en fait, c'est dommage. Là, je sais pas avec la mise à jour s'ils ils ont changé la vie du chien. Hop, il y en a un là. Ah. L'ennemi a détruit votre drone de brouillage. Oula. Comment il m'a pas tué les... Comment il m'a pas tué? Wesh. C'est impossible. Même moi j'y crois pas là. Genre le mec il m'a pas tué. Ah, enfin. Et voici, voilà. Voici mon niveau. Bon, on a fait du 30 pour 10. Très très bonne partie hein, de ma part. Bon, bah, c'est pas moi le. Ok, je l'ai pas fait, d'accord. Appelle ça, mais bon. C'est pas grave, on va rien dire. Je vais juste vous montrer mon petit niveau. Tranquillement. Et je vais sortir une petite vidéo aussi en même temps. Parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti une. Parce que j'avais la flemme. Ok, on a passé un niveau dans la partie. Ok. Bon bah c'était Frag, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et puis à bientôt sur la chaîne. Je vous sortirai un peu plus de vidéos sur Black Ops 4, même en mode zombie, si ça vous intéresse. Puis voilà. Allez, bye les gens.